Bonjour maman, veux-tu que ton enfant grandisse bien? 6 mois, 9 mois, donne-leur d'autres aliments. Mpoto, tcholof, œufs et épinards. C'est ce qu'on appelle l'alimentation complémentaire. Pendant tu allaites encore, inclure le mil plantain, l'igname, le manioc pour l'énergie. Donne des aliments tranchés et des amuse-gueules. C'est ce qu'on appelle alimentation complémentaire. Jour et nuit, allaiter bébé, avant tout régime pour un enfant en bonne santé. Aliments complémentaires tous les jours pour que ton bébé aille bien. Donne-leur des aliments savoureux, encourage bébé à tout manger. Avec une bonne hygiène, une bonne nutrition, si tu veux que ton enfant grandisse. Aliments complémentaires tous les jours pour que ton bébé aille bien. De 6 à 9 mois, continuez à allaiter le bébé jour et nuit. Cela maintiendra la santé et la force de votre bébé. Le lait maternel continue d'être l'élément le plus important de l'alimentation de votre bébé. Le lait maternel fournit la moitié des besoins énergétiques du bébé de 6 à 12 mois. Alors, allaitez avant de donner d'autres aliments. Donnez à votre bébé des aliments complémentaires 3 fois par jour. Ajoutez des collations si votre bébé a faim. À une demi-tasse de 250 ml. Pour vous aider à mesurer correctement les aliments de votre bébé, vous pouvez créer une tasse à mesurer en utilisant une bouteille d'eau vide. Cette bouteille d'eau est de 500 ml. Alors, coupez-le en 2 moitiés égales et utilisez-en une comme tasse à mesurer. Donnez à votre bébé des aliments familiers en purée. Les aliments d'origine animale sont très importants. Alors, commencez à nourrir votre bébé avec de la viande, des œufs, du poisson et du poulet. Et assurez-vous de pratiquer une bonne hygiène. Donnez à votre bébé une variété d'aliments à chaque repas pour lui fournir tous les nutriments essentiels dont il aura besoin pour grandir et être brillant. La production de cette vidéo est basée sur les lignes directrices du ministère de la Santé et des services de santé du Ghana. Elle est fièrement sponsorisée par le gouvernement du Japon en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, The Ajinomoto Foundation et Coco Plus Foundation.